Shalom, and most I'm quite bless you. Matin, nous levons au cavern, nous allons habiller. Moi qui ai dit avec foi sur nous, selon la loi de Dieu, de ordre de Moïse, nous devons appeler Israël dans le désert. Après, nous avons dit que nous avons commencé à voir dans le sabbat, nous sommes dans le chapitre 15, le sabbat de 32 jusqu'à 36. Et à partir du verset 37, nous voyons l'Éternel a ordonné Moïse. C'est une Israël, mettez une frange autour de vêtements avec un ruban blé passé autour de lui-même. Ça va garder là. Dit comme ça, chaque fois, si vous va garder, il va faire ça de génération en génération. Il va sonner tout commandement bon Dieu, de Moïse, sur Mont Sinaï, à Oreb. Donc, on va dire Israël pour faire élévation et ses instructions jusqu'à la date de notre jour. Et pourtant, c'est nous perdre des héritages qui nous déconnecter pendant longtemps. C'est dans Jérémie 17, verset 4. C'est pour nous répondre place nous, parce que nous sommes portion l'éternel. Et parmi 18 peuples, au moins 18 nations l'éternel créées, il choisit nous, petit Abraham, Isaac, Jacob. Jacob, dans le 32, verset 28, il vient changer en Israël. Donc, c'est comme ça que la postérité Israël, ça, nous avons sorti. Moïse sorti dans la tribu Lévi. Moi-même, c'est tribu Lévi, soi-disant haïtien. Dominique, c'est tribu Siméon. Américain Noyau, c'est tribu Jida. Et Issachar, c'est soi-disant mexicain. Nous venons Ephraim, soi-disant Porto Rico. Nous venons Manassé, soi-disant cubain. Avec notre tribu que nous passons citer. Mais l'important, c'est que nous, la Bible, nous ne pouvons pas jouer ni nos haïtiens écrits dans la Bible. Nous ne pouvons pas jouer ni nos dominicains écrits dans la Bible. Nous ne pouvons pas jouer ni nos américains écrits dans la Bible. Mais les nous suivent, ma dition, pour dire que pour tomber sur nous, selon Deutéronome 28. Soutenant chapitre 15 à 68, là c'est malédiction qui a parlé. Mais là, verset 1er jusqu'à 14, c'est bénédiction qui a parlé. Mais pas tout dit bénédiction dans le sourd. C'est bien en condition. Si nous tendons ça le dit, si nous appliquons. Le dans verset 15, il dit si nous pas tendons, si nous pas connaissons ça le dit. Et c'est pour ça toute malédiction, selon Daniel chapitre 9, verset 10, 11, 12, tout tombe sur nous. Toute imprécation qui est écrite dans le livre de la loi Moïse là. Et sinon, dernier temps, bon Dieu décide de vous réveiller en pile dans nous. Et nous lisons Romains chapitre 13, verset 11. Il dit nous-mêmes, qui avons dormi jusqu'à présent, pour nous réveiller dans le dernier temps, ça, parce qu'il joue à nous plus proche. Le salut vient des Juifs. Oui, salut a sorti dans les Juifs. Nous-mêmes, qui sortis dans la tribu Juda, Lévi, Benjamin, qui est sorti dans le royaume sud là. Après le royaume, nous sommes divisés sur le roi Salomon. Et nous-mêmes, Haïtiens, nous sommes des vrais Juifs. Donc, c'est un message qui a été pour nous matin. Moi, souhaiter, nous allons consulter le livre éternel là. Pas quitter mon abdi nous. Si vous avez un détail, vous avez une vérification, nous avons un gros problème, nous avons tombé dans la confusion. Ce qui est important pour nous, c'est pour demander qui livre, qui chapitre, qui verset, qui précepte, qui écrit, qui dit ça. Nous avons une petite bagaille. Birthday, anniversaire, bon Dieu va dans nous pour nous fêter. Fête des mères, il va dans nous. Fête des pères, parfois des fêtes des chiens, fête des chats, fête des souris, bon Dieu va nous faire ça. Dans les Lévitiques 23, on peut tout faire l'éternel. Mes amis, nous-mêmes, nous sommes héritage Jacob. Nous sommes portion de l'éternel. C'est pour ça que nous avons place nous, nous avons comme un bon Dieu et bien la foi dans Jésus-Christ. Selon Révélation, chapitre 1er, verset 14 à 15. Shalom, most times I bless you. Love you.